À quel point qu'il faut que je remette la main dessus dans ma bibliothèque de jeu. Je vais aller dans l'onglet recherche, je vais dire tombe. Voilà, tombe raider. La dernière révélation. Que je fasse pas la bêtise de ce matin, c'est-à-dire la bonne scène. Ah bah là, il m'en a. Ah oui, puis c'est du 4 tiers là. Là, ça va être sport. Alors, attendez. Ça va être sport pour moi que de. Oh la vache. Faut que je retourne avec les numéros de sauvegarde où j'en étais. J'étais dans des tranchées, apparemment. Je me souviens plus du tout où j'en étais. C'est du 4 tiers. N'hésitez pas à me faire la remarque s'il y a un truc qui va pas dans la diffusion. C'est pas la manette. Pas être copain, le jeu et moi là. Petit souci technique, excusez-moi du peu. Oh, bah alors, Lara Croft qui fait sa capricieuse là ou quoi? Vous allez voir que je vais devoir me battre avec l'application pour pouvoir refaire Mumuse avec. 3, 2, 1, on y retourne. Je pense pas que j'ai besoin de démarrer la config, si, il y a un truc qui va pas. Ah, oui, ça va pas. Déjà, la résolution me plaît pas du tout. Ce serait pas mal si je pouvais faire du 720p. Oui, mais je suis pas en plein écran. Ah, bah, je peux peut-être vous faire au format 16 neuvième, ce sera mieux. Donc, est-ce que je peux revenir sur OBS, dire que je veux du 16 neuvième? C'est pas mieux comme ça? Je pense que c'est bien meilleur. C'est écrasé. Ah. Donc, on va revenir à du 4 tiers. Si c'est écrasé, c'est pas cool. Ok. Je reviens sur le 4 tiers et format 4 tiers, par exemple, c'est du 1024, ouais. Je peux pas faire autrement. Ou pas. Capricieux, le Tomb Raider. Alors là, je pense que c'est encore plus écrasé parce que je crois que je suis pas le droit, je suis pas en droit de faire en. Ah, est-ce que là vous avez quelque chose de correct? C'est mieux? Ouais. Je vais essayer de jouer comme ça. Par contre, ma question c'est, j'étais à la manette à l'époque ou pas? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. J'étais au clavier? Ah oui, je me vois prendre le clavier sur mes genoux pour Tomb Raider. C'est vrai. Ok. Ah.
Amnésie. Par rapport au niveau, je sais plus où je suis. Ah, c'est là où il y avait le truc qui fume. C'était l'énigme. Pour moi, c'était le machin qui fumait. Mais normalement, j'ai fait le nécessaire. Bah, je voulais aller dans l'inventeur, le jeu qui a crash. Oh là là. Oui. Ça va être la croix et la bannière. Alors, je n'ai pas de retour de contrôle, c'est à vous de me dire s'il y a un truc qui s'est barré, si c'est mal cadré ou je sais pas quoi. Sachez-le, je suis à l'aveugle. Pourquoi, quand je fais échappe, lui, il dit que c'est je quitte le jeu? Normalement, quand je fais échappe, j'ai accès au... Et je sais plus comment faire pour jouer. Je sens qu'il y a comme une malédiction qui veut que je joue aujourd'hui là. Je suis mais ça tourne mal. C'est ça, exactement. Je demande le mode fenêtré et je capture la fenêtre. C'est pour ça qu'il n'est pas content. Le curseur de la souris me les brise. Voilà, j'aimerais bien l'avoir ailleurs. Et pas sur le jeu. Histoire de ne pas me perturber. Il y a le truc que j'ai pété en haut. Je sais plus quel est l'intérêt de la manœuvre. Là, pour le coup, pour moi, c'est amnésie. Ah, j'étais monté par là, je crois, non? Ah, il faut faire une touche, je sais plus laquelle. Ça c'est l'inconvénient de ne pas avoir joué depuis longtemps. Je sais plus quelle est la touche pour dire à Lara de s'accroupir. C'était pas insert machin, c'était pas shift contrôle, c'était quoi? Parce que là je lâche l'affaire, là je saute, là je m'accroche. Mais lui dire de se mettre accroupi, c'était quoi? Là elle fait un pas de côté, là elle fait un roulé-boulé. Là elle fait pas de côté. C'était quoi? C'était suppression, c'était. Ah! C'est la touche là, ok. Les deux points. Donc si je fais ça... D'accord, là elle passe. Donc là pareil. Ah oui, effectivement. Je vais revenir à là où j'étais, je m'étais suspendu à la corniche. D'ailleurs, à un moment, en fait, il y a un obstacle à cet endroit
qui est, je sais plus comment se justifier, est-ce que c'est un luminaire? Enfin bref, il y a une barre de méta qui bloque la progression de Lara Croft. Et il s'agit de dégommer avec son arbalète, avec viseur, ledit objet pour qu'elle puisse passer. Que ça ne casse pas sa progression. Donc hop, une fois que je suis là, je suis en fait dans une posture, enfin du moins, dans un endroit stratégique intéressant. Et ah oui, je peux aller en face avec le pont suspendu, si on peut le désigner ainsi. Voilà, Lara Croft qui nous gratifie encore d'une de ses cabrioles athlétiques. Mais en même temps, ça me dit pas comment je m'en sors pour la suite. Le niveau est tellement mystérieux là. Bon, là, j'ai déverrouillé la porte, je ne sais plus comment. Là, je vais éviter de courir comme un dératé et me poser, voilà, avec des pas fins, histoire de ne pas tomber bêtement. Mais je vous avouerai que je sèche. Et du coup, le menu, comment j'y accède? Parce que s'il me fait un caca nerveux pour le fait d'accéder au menu, mais ça échappe totalement mon truc. Ça voudrait dire que mon menu est buggé? Oh, je la sens pas. J'ai très envie de basculer en mode plein écran pour que le menu bug pas. Ah, c'est bizarre. C'est pas top ma manière de diffuser. Un détonateur de mine. Détonateur. Ah, et puis il faut que je dope ma. Il est où mon sidecar? Mon sidecar. Alors que je viens de tomber comme un caca avec Lara Croft. Il est où le sidecar dans cette histoire? C'est vrai que j'ai un véhicule, mais je sais plus où il est. Attends, faudrait pas qu'il m'échappe parce que si je l'ai garé dans un endroit incongru, ça va pas le faire. Waouh. Bon, maintenant là, ça me servira à rien de faire ça. On pourrait presque croire qu'on peut escalader, mais non. Donc on voit les barres à l'horizontale, mais ça fait partie de la texture. Où est mon sidecar? J'ai de quoi le doper. Et avoir de la nitro, ce qui sous-entend que je pourrais accéder à de nouveaux endroits. Mission numéro 1, lui mettre le grappin dessus. Attends, là je peux pas passer sans engin motorisé. Ça voudrait dire que le sidecar est pas ici. Mais où? Bah, on a vite fait de tourner en rond dans ce secteur. Comment se fait-il que je vois pas le dit véhicule? Je l'ai pas planqué à un angle. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Mais je suis déjà passé par là. Pardon. C'est pas possible. J'ai pas pu le bloquer dans une autre scène où elle peut pas, elle, passer en sautant là. On a vu que la pente était trop abrupte. C'est justement, c'est pour filtrer et empêcher le joueur de. D'aller trop loin sans l'engin motorisé. Ou alors, je serais parvenu à prendre un passage en piéton, on va dire. Je me serais retrouvé là alors que le sidecar serait rangé dans un autre quartier. Mais il faut que je puisse rebrousser chemin alors, du coup. Parce que sinon, je suis coincé là. Je suis condamné à errer comme un ego. Qu'est-ce que j'ai foutu? C'est peut-être pour ça que j'ai lâché Tomb Raider là. J'étais désabusé de me dire merde, mais je peux plus rien faire. Je peux plus rien faire. Oui, on est d'accord, je peux pas. Oui, non, je peux pas escalader là.
Oh, qu'est-ce que j'ai fichu. Là-bas, je crois qu'il y avait le truc de la tourelle automatisée. Il y avait des trucs qu'on peut faire qu'à pied. Donc, non, mon sidecar ici. Enfin, je crois, tant que je révise. On arrive où ici? Ah oui, c'est l'endroit perdu là. Où on a justement trouvé un mec, un soldat qui avait la carte d'accès sur lui, sur sa dépouille. Ça explique pourquoi j'ai autant de matos dans l'inventaire. Bonjour Nachevman, j'espère que tu vas bien. Je suis en pleine galère dans Tomb Raider, je crois que je me suis bloqué. Je devrais pouvoir mettre la main sur le sidecar, mais... Hop, 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 pourquoi t'es bloqué, ma grande? Oh merde, qu'est-ce que j'ai fichu? Ouais, ça va bien, c'est cool. Ouais, je peux pas passer. Peut-être que je joue avec une sauvegarde précédente. Là, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. J'essaye de me remémoriser, me réapproprier le niveau. Là, il y avait quoi ici? C'était un cul-de-sac débile, je crois, non? Oui, je sais pas à quoi. Cul-de-sac débile, effectivement. Pour moi, l'endroit ne sert strictement à rien. Ce qui est plutôt rare dans un Tomb Raider, mais là, pour le coup. Oh la vache! Moins qu'on puisse dire, c'est qu'on voit la lumière rouge. Heureux, fan. Non, 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 je suis désespoir. Alors, si j'essaie de faire le menu, je sens que ça va cracher. Refais plein écran parce Enigmatix Tomb Raider. Si je rembobine un peu, je suis où là? Je suis au niveau des mecs. J'ai quoi dans le menu? J'ai des choses que j'ai déjà dans le. Alors attendez, le temps de trouver la bonne sauvegarde, je vais retrouver le bon ratio de diffusion là parce que c'est le boxon. Oui, mais je suis pas au bon endroit, moi. C'est ça que je pige pas. Il faut absolument que je remette la main sur mon sidecar avec le système de nitro à greffer dedans. Ah, là, j'ai une clé de toit. Clé du toit que j'ai utilisée. Donc, si je reprends la sauvegarde 500, voilà. Là, normalement, je suis bien. Ah oui, c'est la clé là. Ce passage-là. Oui, ça enquiquine une scène que ce soit écrasé en ratio, mais bon. Je peux comprendre. Mais là où le logiciel, enfin le jeu est perfectible. C'est que dans le mode fenêtrier, j'ai plus le droit à accéder au menu, ça crache. C'est ballot quand même, mais bon. À part sauter en face. C'est bizarre. Parce que sinon j'ai pas d'intérêt à faire des sauts de cabriole à moins que je dois y re...
atteindre là-haut, mais j'y crois pas. Quand elle saute comme ça, ouais, non, elle sera pas assez. Elle pourra pas, Lara Croft, ça va pas, mon histoire. Si je fais ça. Non, elle a pas le droit. Mais je suis très embêté. Je suis très embêté parce que je me demande si je suis pas. À force de tourner en rond sans savoir quoi faire, je me demande si j'ai pas déglingué le jeu. Et que je me suis retrouvé avec Lara dans un quartier où elle est coincée, qu'elle peut pas passer sans engin motorisé. C'est quand même bizarre. Regardez, je peux pas passer ça en normal. Il faut que j'ai un véhicule lancé à une vitesse folle. Le sidecar me le permettait, mais apparemment il est plus dans le quartier là. J'ai dû le laisser ailleurs. Et je m'interroge à savoir comment j'ai fait pour arriver ici. J'espère que j'ai pas, par un hasard fou, exploité un glitch bien malgré moi. Ce qui fait que je suis dans une situation dans laquelle je devrais pas normalement me trouver. Et qui n'était pas prévu. Ouais, prévu et conçu par les concepteurs du jeu. Pour une prise de Tomb Raider, là, c'est plutôt barbant, je suis désolé. Mais c'est le genre de truc, il faudrait que je me coltine ça en hors antenne. Et c'est limite s'il faudrait pas que je voie la soluce de Morlock et vieux jeu. Qu'on salue d'ailleurs au passage. Mais pour ses excellents travaux. Là, je vous diffuse le Tomb Raider de l'ennui. On va pas se voiler la face. Moi, j'éprouve le malaise de me dire que je suis pas dans une situation normale. Ouais, mais je vais pas le faire maintenant, YouTube et compagnie, parce que il est complexe, le cet opus-là est complexe. Il faudrait que je voie la soluce sur tout le secteur-là, tout le niveau-là. Et je pense qu'il y en a pour une grosse heure à voir tout ce qu'il faut faire dans le détail. Moi, il faudrait que je pointe ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que j'ai au niveau de l'inventaire. Parce que là, voilà, je fais échappe pour le menu et le jeu crache. On va pas se prendre la tête, les copains. Je vais faire autre chose. On va se faire du Minecraft tout à l'heure, mais peut-être pas tout de suite, tout de suite. Du coup, je vous redonne la joie et le bonheur de m'avoir en gros plan. Ah, j'ai pas d'autre idée dans l'immédiat, pardon.